Eh bien, mon nom est Jess, Jess Yodin, on m'appelle le Joker. Mon style de combat, c'est un petit peu tout ce qui marche. Je suis pas vraiment frappeur, je suis pas vraiment grappeur. J'aime mélanger. En fait, je suis du vraiment pur, pur MMA. C'est tout ce que j'ai fait. Depuis tout petit, j'ai fait du judo, du karaté, puis ensuite de la boxe thaï. Donc, j'ai tout mélangé. Donc, j'ai un style un peu explosif, un peu spectaculaire. Et j'aime surprendre non seulement mon adversaire, mais aussi le public à chaque fois. My name is Lee Doskey. I fight out of Tsunami Gym. And I also pursue my jiu-jitsu with the Carlton Gracie team. Mes points forts, c'est mon expérience. Ça fait très longtemps que je fais ça et je suis passé un peu partout. J'ai combattu des combattants de tous niveaux, dans le top européen, aussi dans le top mondial. Que ce soit des frappeurs, de très bons grappleurs, etc. Dans plusieurs styles différents aussi. Donc je pense que mon point fort, c'est mon expérience. Et aussi, on ne sait jamais d'où c'est que ça va venir. My favorite move is the move that my opponent lets me do. He's not expecting at that moment. Now coming from I had my first professional fight in 2001. I've had something maybe like 25, 26 professional fights now, and I've kind of seen a lot of shapes, a lot of positions, and I love to strike. If someone will stand and strike, if it goes to the ground, I'm just as comfortable with the ground thing. So I don't really have a preference at all. J'aime toujours changer. Pendant longtemps, j'étais connu pour mes triangles. Ensuite, j'étais connu pour mes clés de jambes. Et puis après, pour mes percussions, j'ai mis quelques gars KO. Donc, je suis toujours en train de me renouveler en tant que combattant, d'apprendre des choses nouvelles. Et toutes ces choses nouvelles, j'étais toujours les appliquer en combat. C'est ce qui marche le mieux généralement. Donc, on ne sait vraiment jamais d'où c'est que ça va venir. Jez Loudon is he's a very, very well-rounded fighter. He's very comfortable in absolutely every position. I consider myself to be the same. I just feel that Jez Loudon's going to underestimate me. He's not going to have the fire in his stomach. He's off the big stage. This is, in his mind, coming down a gear. And in my mind, it's I'm just prepared to dig deeper than I've ever dug before. And I'm prepared to get more tired than I've ever been. And I just think he's going to just be shocked at the intention that I bring tomorrow. Comme je l'ai dit, je peux frapper, je peux soumettre, je peux faire un tout. Donc les gens peuvent jamais trop savoir ce qui peut m'arriver. Peut-être mon point faible, c'est justement trop ça, de vouloir faire kiffer trop les gens autour de moi et ne pas toujours rechercher la victoire. Moi, je recherche un tout, c'est de me faire plaisir à moi parce que je fais tout ça avant tout pour mon plaisir, non pas pour l'argent parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Donc, et mon plaisir personnel, c'est aussi donner une bonne image, mais aussi du bon spectacle à tous les spectateurs qui sont là. Et des fois, peut-être que je pense un petit peu trop à ça et je me fais contrer. C'est peut-être pour ça que j'ai quelques défaites dans mon record. You know what? I've come here to sub Jez Loudon on the ground. I've come here to TKO him, to knock him out standing up. I've come here to just absolutely wear him out and just to let my cardio just run and run and run and never to wither, never to change my mind. So, and I'm 100% confident he will be in the same frame of mind. And all I can say is, we're going to make some exciting shapes for you guys tomorrow. Ma stratégie est toujours la même: finir le combat et finir le combat spectaculairement. De plus, que ça va être mon premier combat ici à Paris, donc je veux vraiment marquer le coup et faire vraiment plaisir à tout le monde. Donc ça va partir dans tous les sens. Le 18 avril, attendez-vous à du spectacle à l'assaut du Joker. On va bien s'amuser.